Bonjour les enfants de la cinquième année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, on va aborder notre première unité. Donc, le texte de lecture Kamel Oudrili, premier Marocain à la NASA. Kamel Oudrili est arrivé aux États-Unis à la fin des années 1980 pour faire des études supérieures dans la recherche spatiale. Domaine pour lequel elle a nourri une grande passion depuis son jeune âge. 13 ans après, il devient le premier Marocain à intégrer la NASA. Elle y occupe jusqu'à aujourd'hui plusieurs postes de responsabilité et dirige avec beaucoup de succès de nombreux projets. Ses nombreuses réussites lui ont permis de devenir l'un des savants les plus primés au sein de la NASA au cours de ces 10 dernières années. Très bien. Alors ici, on va voir la rubrique « J'observe et je découvre ». Donc la première question, de quelle personnalité s'agit-il sur la photo ? De quelle personnalité s'agit-il sur la photo ? Deuxième question, quel est le titre du texte ? D'après le titre, quel est le pays d'origine de Kamel Oudrili ? Après le titre et la photo, ou bien d'après le titre et la photo, quelle information trouvera-t-on dans ce texte ? Alors, la rubrique « Je comprends ». Quand Kamel Oudrili est-il parti aux États-Unis ? Dans quel domaine a-t-il fait ses études ? Qu'a-t-il fait au sein de la NASA ? A-t-il réussi dans son travail ? Justifie ta réponse. Alors, on va voir. J'améliore ma prononciation. Passionné d'histoire et de science, depuis son plus jeune âge, Kamel Oudrili arrive aux États-Unis à la fin des années 1980 pour poursuivre ses études supérieures. D'accord ? Regardez ici la liaison avec X et la liaison avec S. Donc, ça donne le son Z. Je répète, aux États-Unis, des années, ses études. Alors, je vous donne rendez-vous pour répondre aux questions. D'accord ? Merci pour votre attention et au revoir, à bientôt !